parce que ouais, elle a été tondue, ouais. Mais elle est toujours fermée, il n'y a personne. Enfin, on aurait même une entrée, toi, même après la et porte. Je suis désolée, dessous, moi j'ai l'impression que c'est plus un appart qu'autre chose. Il n'y a pas beaucoup de fenêtres, quoi. Les fenêtres, tu peux les créer. Voilà, parce que, il y a un détail là-dessus. Parce que toi, le balcon comme il est fait, moi très j'aime bien comme ça. Voilà, même toi, des arrondis là, ouais, en bas, marche, ouais. J'aime bien. Regarde, t'en as qui est là, coincé, qui est là-bas, qui est là-bas. Ouais. T'en as là et t'en as deux là-bas. Je vois pas, je vois pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, t'as un autre bébé là. T'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ? Non, t'en as 8. Attends, attends. Ta mère qui est cachée là-bas, tu vois que son cul. 2, 3, 4, 5, 6. Regarde, là t'en as 3. 7. Ah, j'avais pas vu le petit là. Là t'en as 2. 9. Et tu vois là-bas, tu vois un gros cul. Tu vois un petit cul là-bas. 7, 8. 8, chérie. 9 moutons. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est dimanche, il est 19h et Morgane est en train de manger parce qu'après elle va aller au dodo, demain il y a école. Je vous ai filmé hier des petits morceaux, comme hier soir on allait se promener avec Morgane, on a fait tour de la rivière à la fraîche parce qu'il faisait horriblement chaud. Et aujourd'hui aussi, parce que j'ai dit ouais je vais commencer à faire mon ménage vers 5h, il fera moins chaud chez moi, vu que j'ai le ventilo qui tourne, tout est fermé, ça sera nickel. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu un mal de crâne au pas possible. Fatiguée aussi au pas possible. Alors, je sais pas, je pense que c'est à cause de la chaleur qui fait chaud que j'ai mal au crâne. C'est vrai que cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi non plus. Et tout. Et là, je transpire, vous pouvez pas savoir. Je coule l'eau, j'en peux plus. Je vais manger et après, je vais prendre une bonne douche. Froide, ça va faire du bien. Merci pour ceux qui m'ont répondu à ma question que j'avais posée dans le blog. Je vous en remercie beaucoup. Il y en a même que vous me donnez des trucs que pour la brassière pour le sport. Merci pour vos conseils et tout. Où est-ce que vous l'achetez? Ça m'aide beaucoup. voilà. Bon, mais écoutez, moi là pour aujourd'hui, ouais, je vous prends là et je vous reprendrai que demain. Voilà. Bon, moi je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée. Bon fin de week-end. Et je vous dis à demain. Bisous. Bon, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi. Il est 8h10. On est lundi 14 juin. J'ai amené Pépette à l'école. J'ai fait un café. J'ai pas mon café. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire. J'ai juste une machine à faire tourner. Je vais refaire tourner des plaids. Et j'ai vraiment pas grand chose. Hier, on n'a pas fait grand chose avec Morgane parce qu'il a fait horriblement chaud. C'était affreux. De toute façon, il est tu as 8h et quelques, il fait 24. C'est super, tout va bien. Pour ça, on verra bien comment ça va s'annoncer, quoi. Si ça va être la canicule ou pas. Il fait horriblement chaud. Mais bon, alors voilà, là je vais faire ce que j'ai à faire, ça veut dire ranger un peu les quatre merdes qui traînent et c'est tout. Il n'y a vraiment pas grand chose du tout. Là, cette semaine aussi, demain j'ai un rendez-vous avec Pôle emploi en espérant, au bout de 3 mois, voire plus, que c'est bon. Alors moi j'ai changé de conseiller. Alors normalement ça doit être bon. Ouais, la semaine prochaine j'ai rendez-vous dentiste. De toute façon là allez, plus que 3 semaines c'est les vacances. Voilà, ça va être cool. Ah voilà. Non, de toute façon, ouais, hier on n'a pas fait grand chose avec Morgane. Samedi on est parti se promener et aujourd'hui. Je sais pas si je vais. Parce que s'il fait horriblement chaud, c'est même pas la peine, vu que je crains énormément la chaleur. C'est dingue. Je pense que je me mettrai en tenue et je le ferai sur la console. Une fois un peu sport et tout.
Oui, de toute façon, comme je vous avais dit là dans le précédent vlog, je crois que je vais voir pour voir si Montpellier peuvent me suivre par rapport à Massive. Mon truc que je vais faire parce que monde, ça fait un an et demi et que ça avance pas. Là, l'autre jour, on m'avait appelé pour me dire qu'il voulait faire passer mon dossier là. J'ai fait non. J'ai du poids, j'ai pas tout perdu, je peux pas. Mon dossier, je sais très bien qu'il sera refusé. Qu'ils veulent à tout prix que j'aille dans cette clinique et que qu'on vous regardez, c'est pas pris à 100% en charge non plus. Je serai déboursé pas mal et non. Si je sais que c'est pour mon bien, mais non, moi je gagne pas des 1000 et des 100. Hein. Si c'est pas pris en charge à 100%, alors non. Si. Je comprends mieux pourquoi il y a certaines personnes qui m'avaient dit déjà ne va pas à Mende, va plutôt sur Montpellier ou Clermont. J'aurais mieux fait les écouter, ouais. Parce que je pense qu'à cette heure-ci, tout ça serait derrière moi. Mais non. Qu'est-ce que tu veux, mon Pika? Toi, il va falloir que tu passes à la douche. Hein, Pika? Ah, voilà, mais bon, je vais voir là, j'ai rendez-vous à la psy où le 1er juillet, je vais en parler de tout ça. Voir comment elle envisage, comment faire. Faut que je voie aussi mon médecin. Oui, parce que vous en êtes quelques-uns qui me demandent par rapport au vaccin. Alors, le vaccin, c'est comme j'ai ma puce. Elle a des problèmes de santé, j'en ai aussi. Je vais me faire vacciner contre la Covid. Ce problème, c'est que faut que je voie avec mon médecin pour savoir ce qu'il y a dedans aussi, le vaccin. Parce que y en a qui disent qu'il y a de l'hépatite B et que moi, je suis allergique à l'hépatite B. Je ne peux pas me faire vacciner contre ça. Mon regard non plus, parce que bon, mon regard, on ne sait pas, mais petite, elle a sur l'hépatite, mais pas le B, pour avoir aucun risque. Mais moi, le B, je suis allergique, je ne peux pas. Il y a eu des allergies du côté de ma famille, et je ne peux pas, qui ont créé d'autres maladies, qui sont décédées à cause de ça. C'est pour ça que je ne peux pas me faire vacciner contre celui-là. J'ai l'hépatite, mais sans le B. Et s'il y en a, il y en a qui disent qu'il y en a dans certains vaccins. Et s'il y en a, je ne peux pas. Voilà, tout simplement. Et pour ça, bah en fait, il faut que j'aille prendre rendez-vous au médecin pour faire une ordonnance pour voir si s'il y en a. Et pour me faire vacciner. Parce que je pense que là, on va arriver à un stade où on n'aura pas le choix de se faire vacciner. C'est chiant quoi, mais bon, c'est bon. Il y en a, je sais que de toute façon, dans tous les cas, même si pour vous dire, même si j'avais continué à travailler au lycée, j'étais obligée de le faire pour les élèves. Mais nous, ici, ils ne prennent pas le vaccin qui a eu des gros problèmes avec. Il y en a que deux, mais bon, voilà, il faut que je voie tout simplement ce qu'il y a réellement dedans. Après, ouais, ça faut que je prenne rendez-vous. Mais de toute façon, ça me gonfle, faire rendez-vous, c'est pas avant juillet. Mais voilà. Voilà. Pour ça, c'est. Là, je suis un peu. Je dois dire que samedi soir. Je suis couché tard, je suis pas arrivée à m'endormir avant 3h du matin. Je me suis réveillée à 9h dimanche. Et j'avais un mal de tête après toute la journée. Je me suis allongée un peu, mais pas longtemps. Mais après, j'avais un mal de tête, c'était affreux. Et cette nuit, j'ai eu du mal à un peu m'endormir. Mais bon. C'est pas grave, on va faire ce qu'on a à faire. Et voilà. Pour ça.
Ah oui, et il y en a, vous devez changer un peu de disque quand même, parce que là, vous parlez de certaines choses sur Instagram, qu'il y a plus de 15 jours que ça s'est passé quand même. Vous me saoulez encore avec ce putain de vélo. Alors, le putain de vélo, c'est bizarre, parce que la seule personne qui est concernée, c'est la seule qui me dit non, maman, j'en veux pas. Hein, et je suis désolée, il n'y a pas des vélos à 10 euros, même sur le Bon Coin. Le moins cher ici, il est à 30 euros, d'une. Et personnellement, je ne mettrai pas 30 euros dans un vélo qu'elle va l'utiliser que deux fois dans sa vie. Quoique deux fois, c'est tout. Et encore. Alors, et ça fait plus de 15 jours qu'on a arrêté d'en parler. Mais non, il y a des gros cons qui continue, qui, ah oui, pour me dire que j'ai acheté une coque à 40 euros, ouais, ça c'était pour la fête des mères. Vous savez quoi? Je vais acheter une autre coque aussi, pour ma famille. Hein? Et quand, c'est bizarre parce que la seule qui est concernée dans toute l'histoire, c'est ma fille quand même, c'est pour ma fille. Hein? Hein? Et si j'ai le vélo, t'en veux? Elle me dit non, on en fait à l'école. J'ai dit t'en veux? Elle me dit non. Alors, l'excuse de dire que je peux payer une coque à 30 euros, à 40 euros et pas un vélo, alors quand je vous ai déjà dit un milliard de fois, je n'ai pas de place. Je vis dans un immeuble où on ne peut pas stocker de vélo. Voilà. Mais bon, c'est vrai que j'ai oublié que j'avais mes fans abrutis qui ne regardaient pas les blogs en entier. Hein? Et que. Ils se croient tout permis et qu'après on vient de me dire que eux font leur meilleure vie, qu'ils ont des vélos et que leurs enfants arrêtez de foutre la gueule du monde. Parce que j'en suis sûre et certaine hein, qu'il y en a qui ont des familles qui ont des vélos, certes, mais c'est pas pour autant que vous en faisiez tous les jours. Hein, c'est pas pour autant que votre enfant en fait tous les week-ends. C'est ça le problème. Ah oui, et pour mes fans abrutis aussi, je n'ai jamais dit dans aucune, mais aucune de mes vidéos que j'étais une maman parfaite. Il y en a peut-être vous croyez d'être une maman parfaite et tout, pas de soucis. Mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. Voilà. Par contre, moi, je tire mon chapeau à certaines mamans qui ont plusieurs enfants, qui sont seules à les élever, hein, qui ont, ou même qui sont mariées et que leur mari, ben, travaille beaucoup et qu'il ne peut pas faire autrement. Alors, courage. Parce que là, je sais que ça va être les vacances et ça va être compliqué de pouvoir gérer les enfants, hein, trouver à les occuper. Oui, parce qu'au bout d'un moment, ben, quand vous avez fait tour, ben, voilà. Moi j'en ai une et personnellement oui c'est vrai que j'en voulais en second mais je crois qu'une ça me suffit largement. Même si Morrigan elle est pas chiante pour ça, même si elle n'est pas casse-bonbon. Morrigan comme je vous ai déjà dit plus d'une fois, elle veut certaines choses parce qu'elle le fait à l'école. C'est tout. Parce qu'elle dit oui maman je voudrais bien ça parce qu'elle le fait à l'école. Point barre. Et comme vous voyez, le vélo, elle m'a dit, oui, ça serait bien d'avoir un vélo. Ouais, ben non, je t'attendrai que maman ait des sous. Et pour moi, je suis désolée, mais le vélo, c'est pas obligatoire, d'une. C'est pas ça qui va lui apprendre à écrire, c'est pas ça qui va lui apprendre à lire. Hein. C'est pas ça qui va lui apprendre la vie quotidienne, ce qui va se passer. Oui, ça va lui permettre de l'amener à son travail un jour si elle a du travail. Mais voilà. Il y en a, c'est un plaisir. Il y en a, ils font des courses avec. Mais pour moi, c'est un truc qui n'est pas obligatoire. Je préfère acheter un truc qui soit pour ma fille, qu'elle en ait besoin tout le long de sa vie, que d'acheter un truc qu'elle va utiliser deux fois à tout casser. Voilà. Et ça sera la dernière fois que je mettrai les points sur les i sur ce putain de vélo de merde. Voilà, parce que là, à vous gonfler. Mais bien comme il faut, hein. Vous avez
Oh, du mal à passer à autre chose, hein. Faut changer un peu le disque. Vous allez voir, ça va être bien. Mais bon, j'ai oublié que j'avais mes freins abrutis qui sont cons jusqu'au bout. Mais bon, pour les autres, vous êtes adorables et restez comme vous êtes. Écoutez, moi, je vais faire mes deux petits trucs que j'ai à faire. Ah oui, je vois que faut que je mette. Il faut que je fasse un tri, que je mette des trucs sur Vinted. Vous savez, le haut rose que j'ai acheté sur Shein, il faut que je le mette sur Vinted. Parce que Marlène, il met 4 euros. Voilà. Bon, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi 15. Il est 8h30. Oui, je vous ai pris un peu tard parce que j'ai eu pas mal de... J'ai fait d'autres trucs, j'avais des autres choses à faire et tout. Là, j'ai un rendez-vous téléphonique en fin de matinée. Et tout. Aujourd'hui, là, de toute façon, j'ai pas mal de choses aussi encore à faire à la maison. Voilà, déjà de bon matin, il fait hyper chaud. C'est cool, quoi. Il fait 25, c'est super. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça va être l'habitude. J'espère que ça va pas être ça tout cet été, la canicule, parce que la chaleur et moi, ça fait pas bon ami. Mais vraiment pas. Je la supporte pas. Il suffit, Pika. Non, mais je te vois. Mais il se cache derrière le Bouddha que j'avais acheté à Pazzaland il y a plusieurs mois. Et comme le Bouddha, il y a un gros truc, il y a un truc rond. En fait, il se mettait juste derrière. Mais on voit ses deux oreilles. Hein, Pika. Toi, oui, il va falloir que je te passe à la douche et que je te retrouve ta brosse que t'aimes bien. Oui, parce que Pikachu, là, depuis quelques jours, j'ai retrouvé deux bouts de poils. Il m'a revomi des bouts de poils. Parce que comme il a les poils longs, monsieur, je le brosse, mais il n'aime pas la brosse que j'ai. Missy Gris, il aime bien. Mais il aime une autre brosse et je ne sais pas où Morricane me l'a mis. Je sais que la dernière fois, elle avait brossé. Il faut que je la retrouve et ou que je retrouve mon gant aussi parce que ça, il aimait bien. Pour le brosser comme il faut, parce que bah, il faut le brosser tous les jours, de toute façon, il n'y a pas le choix. Parce qu'il commence à avoir des nœuds. Et que là, il commence à bien perdre ses poils, le pépère qui a 2 ans. Mais oui, le pépère, il a eu 2 ans le 9 juin. Ça passe. 2 ans, mais il grandit toujours et il a autant de poils. Ah, mon pauvre. Ah ouais, lui, je pense que je vais le prendre et l'amener à la douche, lui faire prendre une douche. Parce que la dernière fois que j'ai fait prendre une douche, c'est quand je l'ai reçu la première fois, parce qu'il avait fait pipi partout sur lui. Et après, si j'en avais refait et venu reprendre quelques mois après, quand il était encore bébé, qui rentrait dans l'évier, maintenant il ne rentre plus dans l'évier. Alors, je vais faire prendre une douche à monsieur. Parce que ça leur fait pas de mal non plus. De prendre une douche. Alors voilà. Par contre, je vous adore, mes fans. Non, mes abonnés, vous êtes adorables. Il y en a certains, vous êtes beaucoup adorables parce que vous m'avez donné pas mal de sites pour faire un montage et je vous en remercie beaucoup, énormément pour ça. Bon, il y en a comme d'hab, hein. Voilà. Non, là aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que ce matin, je vais ranger ce que je vais faire. Et en début d'après-midi, je me mettrai en tenue et je ferai le sport à la télé parce qu'ils annoncent encore du 30 et quelques. Et que je vais pas aller dans la forêt parce qu'il y a des endroits où elle est en plein soleil et c'est hors de question que j'y aille. Voilà, là de toute façon, moi j'ai mon rendez-vous. J'ai fait mes courses hier sur internet. Comme ça, en fait, il faut juste que je rajoute un truc
Il faudrait juste qu'après, avant que je regarde. Là, il faut que j'en avance un coup d'aspirateur aussi. Parce que j'ai changé la litière de mon bébé ce matin. Je donne un grand coup d'aspirateur. Ranger des 2-3 trucs. Jeter mes cartons. Et parce qu'il faut savoir, un truc, c'est que ma fille, quand je reçois des colis, des gros colis, elle adore jouer avec le carton. Elle s'en fout de ce qu'il y a dedans, mais elle veut le carton. Voilà. Comme ça, elle rentre dans le carton, elle fait sa petite maison, ou sinon elle fait sa petite table. Alors là, les cartons, ça va partir à la poubelle. Demain, mercredi, normalement, demain, ils ont annoncé du temps où ça doit se... On va avoir moins chaud. Ça annonce des orages et tout, ça va faire du bien parce que là... Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Voilà. Je vais m'activer un peu avant qu'il fasse horriblement chaud, que je ne puisse plus faire. Non, parce que s'il fait trop chaud, c'est simple. Le moins de trucs que je fais, je coule l'eau, c'est affreux. Bah oui, c'est ça aussi d'être costaud. Il y a des inconvénients. Mais bon, c'est une beauté qui me gratte. Voilà. De toute façon, la semaine prochaine... Ouais, c'est la semaine prochaine, j'ai YouTube qui tombe. Ceux de YouTube, je vais mettre de côté. Si je dois faire plein de la voiture, je vais mettre de côté parce que début juillet, le 12 juillet précisément, je vais à Action. Avec ma voisine, de toute façon, Marlène, elle a un congé, ça fait qu'elle pourra garder mon week-end. En espérant qu'elle me prenne, qu'elle prenne la prendre. Comme ça. Pour aller tranquille avec ma voisine. À l'action. Bon. Moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus tard. Bon. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Quoi? Aujourd'hui, depuis tout à l'heure, là. J'arrête pas. Bon. Pourquoi lui, il veut pas? Ah. Oui, j'ai reçu ma box bijoux. Je viens de vous tourner la vidéo. Et ça, c'est des bijoux que j'avais achetés sur Joom. J'ai un autre truc de bijoux aussi qui doit arriver. J'en ai commandé deux trucs comme ça. Et là, je vais remettre celle-là. Mettre celle-là. Comme vous le elles sont trop belles. Voilà, j'ai envie de mettre des boucles d'oreilles. Oui, comme j'ai envie de maquiller, parce que là, tout à l'heure, j'ai reçu des messages, je vous jure, je rigole toute seule. Comme dit, pourquoi tu te maquilles vu que t'es chez toi? Ben écoute, j'ai envie de me maquiller, j'ai envie de mettre des boucles d'oreilles, j'ai envie de mettre des bijoux pour me sentir belle, parce que j'en ai envie. Et voilà, c'est pas votre problème, c'est le mien. Hein? J'aime ça de m'habiller de quoi de mettre des bijoux de parce que ça me plaît et même si je suis chez moi je fais ce que je veux oui avec mes cheveux non, voilà non franchement ouais j'aime bien voilà bon moi j'attends mon rendez-vous dans un quart d'heure normalement elle doit appeler. Bon, je suis allée voir une de mes voisines où on a bu le café ensemble et voilà. Là, j'ai allumé mon PC parce que j'ai dit peut-être qu'il va falloir besoin du PC pour que je l'allume. Voilà. Il fait chaud, mais bon. C'est comme ça. Bon, il faut que je range. Ah oui, vous vous rappelez que j'avais acheté ce pyjama à Morrigan? Un petit lapin comme ça, là. Et deux petits hauts comme ça. Bon, elle sort. On voit à peine son petit bidouf. Mon bébé, mais ça lui tient pas chaud du tout. Et elle adore. Alors, je lui repasserai une commande sur Chine où j'achèterai des pyjamas, des trucs comme ça, des robes pour cet été. Et tout. Elle sera super contente.
Ah non, parce qu'elle adore le pyjama là, et comme elle dit, il ne tient pas trop chaud et tout, c'est génial. Franchement, il est génial. Bon, moi là, j'ai pris hein, 10-12 ans, je crois. Attendez, c'est quoi la taille? 140, je crois que c'est du 10 ans. 10 ans que je lui ai pris. Et ça devient un peu grand, mais elle aime bien. Franchement, elle aime bien. Alors voilà. Bon. Désolée, j'ai mon sein qui me gratte. Oui, je sais. Je vais avoir bientôt un rendez-vous dans moins d'un quart d'heure là. J'attends mon rendez-vous. Après, je vais chercher mon bébé. De toute façon, j'ai fait du taboulé. Moi, je vais manger du taboulé et bon, mon organe aussi. Sinon, je vais faire des pâtes parce qu'en ce moment, c'est reparti, rebelote que des pâtes. Qu'elle m'avait arrêté ça là pendant quelques temps de manger que des pâtes et du riz. Et là, c'est rebelote avec que des pâtes ou du riz. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas un souci. Ah, voilà. Bon, moi je vous dis à plus tard. Bon, re, tout le monde. Bon, j'ai mon rendez-vous avec Pôle emploi, que j'ai appris des trucs et c'est super en fait. Non, bon, j'ai rendez-vous vendredi à 9h chez moi. Par rapport à mon entreprise hein, qui pourront m'aider de ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment créer une entreprise, comment faire et tout, ça c'est top. Et aussi que je viens d'apprendre, vu que je travaillais dans le service public, ce n'est pas Pôle emploi qui me paye, normalement c'est le service public. Et ils ont mis mars, avril, mai, juin, 4 mois pour le dire. Cool! Ça va que je suis tombée sur une dame super. Mais vraiment super, qui m'a expliqué tout, qui m'a dit non, comme vous étiez dans le service public, ben, c'est eux, normalement, qui sont obligés de vous payer, c'est mais pas Pôle emploi. Ben, voilà. Pôle emploi, oui, je peux faire la formation comme là, vendredi matin, j'ai rendez-vous à 9h pour voir un peu comment ça va marcher. Voilà, pour mon entreprise, en gros, c'est. Ce que je veux faire, si ça va marcher dans un contexte, ce qui marche le mieux, ce qui marche le moins, si c'est le bon moment ou pas de me lancer. De toute façon, comme moi j'ai dit à la dame, si je peux la mettre en place, ça sera mois de janvier 2022, pas avant. Le temps que je fasse les formations qu'il faut faire, les trucs qu'il faut faire et tout, il me faut un bon moment. Elle me dit non, mais eux ils vont nous expliquer s'il faut faire des formations plus approfondies, vous ferez des formations plus, il n'y a pas de souci, j'y ai droit, il n'y a pas de problème. En même temps, on a terminé de remplir mon dossier, façon de parler, mon dossier. Parce que je lui ai dit qu'en même temps, je voulais trouver du travail à mi-temps à côté, pas à temps plein, mais à mi-temps. Comme ça, je lui ai dit, ça me fera une sécurité en plus de pouvoir bon, travailler, faire mon entreprise et. D'avoir ce mi-temps à côté, elle m'a dit il n'y a pas de souci, c'est vrai que c'est meilleur des choses aussi. Ah voilà, on a remis les choses au clair et sur mon dossier, on a effacé ce qu'il y avait effacé, on a mis ce qu'on avait à mettre et voilà. Et tout. Comme ça, c'est fait, mais franchement, je suis tombée sur une dame super gentille, adorable et tout au téléphone, nickel. Alors là, demain, j'ai Morrigan, mais demain matin, je vais essayer de voir à appeler mes anciens patrons pour me donner le numéro du truc du service et voir où est-ce que je peux les avoir. Mais bon, c'est bien de prévenir, quoi. C'est super. Parce que voilà, 4 mois que j'ai eu quand même des conseillers à Pôle emploi, que je leur ai posé la question et qu'on me dit là, ben non, c'est service public. Cool. Mais bon, voilà, en plus, ouais, il va être 3h, il est 14h45. Morgane était un peu fatiguée quand je l'amenais à l'école. Mais bon, là, demain, elle va pouvoir dormir. C'est mercredi, elle n'a pas école, hein, ça va faire du bien. Alors voilà, bon, je fais un petit café. Je vais ranger ce que j'ai à ranger, à mettre ce que j'ai à mettre dans la vaisselle. Faire un petit dessert, je prends mon café, après faire tout ça. Et voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Où le lion là-bas? T'as le lion ou t'as la voiture, je crois? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oui, tu peux faire du toboggan. Alors aujourd'hui, on est mercredi. C'est
16, joie. Il est un peu plus de 9h, je crois qu'il doit être 9h30 par là. 9h15, 9h30. On est au terrain de jeu. Mon bébé va faire joujou. Petit toboggan ? Oui, on en profite avant qu'il fasse trop chaud. Ouais ! De quoi et des fourmis ? Bah, c'est pas la petite qui va manger la grosse ? C'est pas la petite qui va manger la grosse, hein ? Elles ont plus peur de toi que toi, hein ? Non, voilà. On allait chercher mon colis de la Dégustabox au point enrôlé. D'habitude, je la reçois vers la fin du mois. Là, je l'ai reçu là. Alors, on est parti aller te chercher vu que le point enrôlé ouvre à 9h. Bon, j'ai dû poser la question pour pouvoir faire livrer des colis. Elle m'a donné les papiers, tout voir avec Colissimo, quoi, point enrôlé, comment faire. Je regarderai ça tout à l'heure en rentrant à la maison. Là, voilà, on en profite, on joue. Comme il n'y a personne au parc et qu'il est encore à l'ombre, il y a une partie qui est à l'ombre, une partie au soleil, il fait pas trop chaud. Bip, bip! Alors, on en profite un peu avant parce qu'ils annoncent encore des fortes chaleurs aujourd'hui. Bibi, t'es le coyote? Tu fais le coyote? T'es le coyote qui veut manger Bip Bip, d'accord. Alors voilà, on en profite avant qu'il fasse trop chaud parce que... D'accord. Parce que cet après-midi, non, je ne veux pas sortir. Elles annoncent quand même du 34-35 à certains endroits. Et nous, on est considérés en vigilance canicule avec des orages. Hier, il a plu 10 minutes. Ça a fait deux gros orages et c'est tout. Ça rafraîchit un peu, mais on ressentait quand même une grosse chaleur. Ah oui, là, je suis désolée, vous entendez des camions, c'est parce qu'on est à côté de la route. Et... Tu joues à maman et papa ? D'accord. Et voilà, là, c'est vrai qu'on est calme, ce parc. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. Il y a la rivière juste à côté. Bon, certes, il y a la route juste à côté. Mais ça va très, très bien. Mon bébé, elle s'éclate. Elle joue un peu. Voilà, parce qu'on va en profiter. Et après, je pense qu'on va rentrer d'ici 10 minutes, un quart d'heure, voire un peu plus. Avant 10h, parce que c'est vers là où il commence à faire plus chaud. Vers 10h30, 11h, là, quoi, vers entre 10h et 11h, il commence à faire chaud. Et comme elle, je veux pas qu'elle m'attrape d'insolation et tout, même si elle a sa casquette. Mais bon. Alors voilà, là, on en profite comme il faut, toutes les deux. Et après, on fera la vidéo de la Dégustabox. Voilà, je ne vois pas, faudrait que je refasse ma couleur. Voilà, on fera la vidéo de la Dégustabox. Et voilà, bah oui, comme je vous dis, je suis dans un parc. Il est, ça va, le soleil, comme je vous dis, t'as pas trop fort. Eh ben, descends, mon amour. T'es descendu plusieurs fois sur ce toboggan. Morrigan. T'es descendu un milliard de fois sur ce toboggan. Il va rien t'arriver. Tu me fais quoi? Elle est pas son petit cul. Non mais... Bah alors c'est quoi le problème? Mets bien ta robe dessous tes fesses quand tu descends. Ça évitera de te faire mal au cucu. Ah voilà. Ça va être une bonne journée avec un super soleil. Ça va être cool. Mets bien ta robe dessous ton cucu. Mais descends comme il faut. Tu me fais quoi là? Mais pose ton cucu comme il faut, mon amour. Morrigan. Quoi, il est chaud le truc? Bah alors descends comme il faut.
vas faire du lion? Je vous jure. Lui, il est un peu trop grand pour être le lion. Ouh, il y avait de soleil. Ah là là. Allez. Allez. Allez, Moussa, viens. Ah, voilà. Pour ce matin. Ouais, on va encore jouer un petit peu et après on va pas tarder à y aller. Ouais, parce que je commence un peu à taper là-dessus. Là. Oui, mon amour. C'est trop rigolo. Ah là là. Bon, mais écoutez, moi je vous dis à plus tard tout le monde. Bisous. Oui. Et mais tu vas te mettre au bord de la fenêtre, de la chambre de Choupi, et tu vas avoir un chaud. D'accord? Coucou. J'espère que vous allez bien. Alors, on est jeudi 17 juin. Il est 7h55. Et j'ai déposé mon bébé à l'école et j'ai monsieur à l'heure avec moi. Hein? Tu vas sur le rebord de la fenêtre de Choupi? Il fait bon. Quoi, il fait bon? Il fait gris, il fait 19 degrés et j'ai l'impression qu'il fait au moins 30 degrés. Il fait horriblement chaud. Oh, de toute façon, ils avaient annoncé qu'aujourd'hui il allait faire chaud, mais. J'ai pas mal de trucs à faire, j'espère que je pourrai arriver à faire. Oui, le problème qu'il y a, c'est que je ne supporte, mais vraiment pas du tout, la chaleur. Mais vraiment pas. L'après-midi, c'est ça, je suis enfermée dans le noir pour éviter qu'il fasse trop chaud pour le kilo à côté. Je ne supporte pas du tout la chaleur. L'été, je déteste au plus haut point. De toute façon, ça vous le savez, hein, je préfère l'automne. Oui. Je préfère l'automne, je ne supporte pas l'été. Pour moi, c'est la pire, c'est la meilleure mauvaise période de l'année. Il y a l'été, c'est pire. Mais bon, c'est comme ça. Et parce que quand il fait chaud, j'arrive à plus rien faire tellement que j'en peux plus. Hein? Mais bon. Ah, moi, je ne cherchais pas si ma bouteille d'eau qui est tombée par terre. Ben oui, j'ai toujours une bouteille d'eau avec moi. Là, je vais faire mes 4 trucs que j'ai à faire. Ranger et tout, parce qu'hier Morgane elle a joué, elle a mis un peu ses jouets de partout là au salon. Oui, le salon c'est sa seconde chambre. Hein. Et bon, c'est un peu compliqué hein, qu'elle comprenne que je ne veux rien dans le salon. Hein, elle a du mal à comprendre. Mais bon. C'est moi, Liliane, c'est chaque enfant, je pense. Voilà, là je vais ranger ce que j'ai à ranger, à faire ce que j'ai à faire. Arrangez-moi la vaisselle. Et à faire son lit, j'ai une machine qui est en train de tourner. J'ai quoi? Oui, j'ai une machine à lit qui est en train de tourner là. Là, je vais faire remplir moi la vaisselle parce que il n'y avait pas grand chose. Et là, j'ai tout les assiettes, je les ai laissées dans les vides. Je vais les mettre dans la vaisselle. Hein? Et voilà, faire ce qui est la vaisselle qu'il y a parce que je ne passe pas au lave-vaisselle. Et j'ai le bazar, jeter le carton, oui, parce qu'hier j'ai reçu la Dégusta Box. Je l'ai. On l'a filmé, parce que mon gars était moi, m'a donné les trucs pendant que je l'ai filmé. Et. Je vais rentrer parce qu'elle a essayé d'entrer dans le carton, mais elle a oublié qu'elle a grandi. Alors hier, elle a essayé d'entrer dans le carton. Elle a cassé le carton. Et après, ben, elle me dit mais moi, j'ai cassé le carton. Ben oui, toi, tu grandis, mais le carton, lui, non. Mais bon, c'est pas grave. Ça, je vais le jeter.
T'as chaud toi aussi hein. Et nettoyer ma salle de bain, nettoyer un peu tout. Et de toute façon, avant d'aller chercher Morgane, je prendrai une douche. Ça c'est clair, il va être froid parce que j'ai trop chaud. Et je vais faire ce que j'ai à faire. Alors hier, lui, il a été à côté de moi, à côté du ventilo. Tellement que on avait chaud. Oh, ça gratouille. Alors voilà, pour ça, ouais, hier on a passé un bon moment. Attendez. Alors, comme je vous dis, hier on a passé un bon moment avec Morgane. On est resté bien. On a resté trois quarts d'heure là-bas au parc. On a fait. Et s'est amusé et tout. On a fait tous les jeux. Ça nous a fait du bien. Mais on est vite rentré parce que après le soleil, il commençait déjà à 10h. Il commençait à bien taper. Hein. Il faisait horriblement chaud. Mais bon, la Morgane hier, elle s'est endormie hier après-midi parce que bon ben, elle n'avait pas beaucoup dormi. Elle s'était levée, elle s'était couchée tard, elle s'était levée tôt. Elle a fait une petite sieste de pas bien longtemps. Ça lui a fait du bien aussi. Mais bon. Il faut. Alors, vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des messages par rapport à mes boucles d'oreilles. C'est là. D'où je les avais achetées. Je les ai achetées sur Joom. Voilà, à l'origine, je vais acheter pour les petites là, pour mettre en second trou. Et en fin de compte, en second trou, c'est une paire que j'ai eu dans ma box bijoux, que vous verrez plus tard. Mais bon, voilà. Et franchement, elles sont pas lourdes plus que ça. Hein. Elles sont en classe. J'en ai d'autres qui doivent arriver comme ça aussi. J'en avais commandé deux il y a plus d'un mois. Qui doivent arriver. Et. Je vous montrerai. Et parce que j'aime bien les grosses boucles d'oreilles comme ça aussi. C'est. Voilà. J'aime bien. Mais bon, de toute façon, ouais, faut que. Là, faut à action, j'y vais. Dans. Une, deux, trois, ben dans un mois, même pas. Le 12 juin, lundi 12, avec ma voisine, parce qu'elle a fini de travailler le 6 juillet. Pardon, pas de juin, le 6 juillet. Oui, 6 juillet. Morgane, elle a vacances aussi le 6 juillet. Et le 12, de toute façon, c'était prévu depuis un petit moment que le 12, on aille à Action. Là, j'irai que elle et moi, on ira à l'ouverture parce que Morgane ne sera pas là. Marlène, elle sera en vacances. Alors, j'ai demandé à Marlène qu'elle, de toute façon, elle m'a dit qu'il n'y a pas de souci, qu'elle prendrait Morgane. Comme ça, elle va la prendre pendant quelques temps. Et comme ça, moi, je pourrais en ira à Action à l'ouverture. Je pourrais commencer aussi quoi, continuer à acheter pour décembre. Parce que pour septembre, bon, elle a. Il faudra juste que j'achète le reste et je pourrais l'acheter. Cette tablette, je l'achèterai au mois d'août. Ce sera plus simple. Parce que oui, Action, moi, je vais commencer à l'acheter pour décembre et pour. La rentrée scolaire, on va acheter des feuilles, des crayons de couleur, des stylos, des cahiers, voir ce que je peux acheter déjà à Action. Son cartable, ça je lui ai dit qu'on l'achèterait
avec Marlène à Éperu. Je vais prendre un cartable sous lit. Si ça peut lui faire pour plusieurs années, ce sera cool. Et tout. Et voilà. À Action. Ça, et s'il faut que je me rachète de la vaisselle à Action, je préfère plus l'acheter à Action que. Hier, de toute façon, je verrai. C'est juste pour acheter. Je prendrai 4 assiettes de chaque. Et voilà. Acheter ça. Pour la maison. Voilà. Déco et tout. Voilà pour ça. Après, c'est tout. Ouais, alors, de toute façon, moi, dessus, vous aurez un truc. Oui, vous avez quelques-uns qui me demandent pourquoi je n'y vais pas très souvent à Action. Alors, si je ne vais pas très souvent à Action, c'est que mon Action, il est à 1h30 de route de chez moi et que je n'ai pas les finances pour non plus y aller tous les mois non plus. Parce que je sais qu'il y en a qui vont souvent, mais non, je n'ai pas l'occasion d'y aller souvent. Et quand j'y vais, en général, j'essaie d'y aller 2 à 3 fois par an à Action. Et j'en ai en général, pour 100 euros. C'est pour ça que là, ce que YouTube va verser ce mois-ci, ça va partir à Action. Voilà. Ça ira pas ailleurs, ça ira à Action. Comme ça, et à Ziman aussi, comme ça, je rachèterai une belle tenue pour la rentrée à Morégan. Comme j'avais fait l'année dernière, je rachèterai d'autres trucs, vu que Ziman, c'est pas cher. Voilà. Bon, moi, je vais commencer à en faire un peu plus. Et voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Bon. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oui, alors, il fait horriblement chaud. Là, on est le 18 juin. Il est 8h. Il a plu la moitié de la nuit. Quoi, plus ce matin. Vers les coups de 5h30, 6h. Il fait toujours aussi chaud. Vous pouvez m'expliquer là? Ah, je vous jure que j'en peux plus, je suis en neige. En plus, là, tout à l'heure, j'ai rendez-vous à 9h en conférence visio pour mon entreprise, pour faire commencer ma formation sur 3 mois. Alors voilà, comme ça, j'ai tout. Là, il faut que je regarde mes mails de Pôle emploi sur le site Pôle emploi, parce que j'ai pas encore reçu mes mails pour voir. Pour comment faire une vidéoconférence. Après, voilà, cette nuit, c'était très compliqué parce que Morrigan, vers 4h du matin, elle a fait un cauchemar. Elle s'est mise à pleurer, hurler. Mais j'ai pris ça avec moi dans le lit. Et quand vous dormez avec Morrigan, en gros, vous ne dormez pas. Voilà. Au moment où je devais, ça faisait faire même pas un quart d'heure que je dormais. Que le réveil il a sonné et que là j'ai vraiment vraiment du mal. Mon esprit me dit se réveiller, mais mon corps elle a du mal à bouger quoi. Elle dit il faut se réveiller quoi. Alors, je bois un café pour réveiller un peu tout ça. Bon, là je vous ai mis la vidéo. C'est ma leaderbox. C'est ma leaderbox de février, mars, avril, de mai. Voilà. Parce que j'ai reçu il n'y a pas bien longtemps la 7 de juin. Voilà. Voilà, un peu tout. Ah oui, non, ça je vous marquerai dans la dégustabox quand je vous ferai la vidéo. Je vous ferai un montage et tout. Bon. Il a pu grosso modo 2h et je vois qu'il commence à faire beau là-bas. Bon, je sais pas si ma fille elle pourra aller à sa promenade là ce matin. Mais bon, j'ai mis les bottes au cas où. Elle a pris les bottes au cas où, on verra bien.
un peu comment ça va être. Tout ce bazar. Moi, j'ai mis les feuilles aujourd'hui. Ah voilà, bon. Je vais essayer d'aller voir tout comment. Si tout marche. Et voilà. Acheter. Et il faudra que le mois prochain, j'achète un micro. Ça sera plus simple. Un casque. Parce que là, c'est les écouteurs, les oreillettes, là. Des téléphones. Et je pense qu'un casque, ça sera beaucoup mieux. Et tout, en plus. De toute façon, après, comme ça, ça dure une heure. Je ferai le ménage parce que là. Voilà. J'ai fait tomber un truc hier et j'en ai partout. J'en ai ramassé pas mal hier et j'en ai encore. Mais bon, bref. Hein. Il va falloir que je range tout ça. Parce que ce week-end, je vais être tranquille. Comme je n'ai pas ma fille, ce week-end, je vais faire des masques. Je vais faire des gommages. Hein, on va prendre soin de moi. Ça va faire du bien. Voilà, bon, moi je vous dis à plus tard. Ah oui, il faut que je vais faire la porte de ma chambre. Et j'ai mis une machine en route et je suis en train de l'entendre la machine. Voilà, bon, moi je vous dis à plus tard. Bisous. Bon, comment dire que il est 10h15. J'ai eu mon rendez-vous. Bon, je croyais qu'il fallait se connecter sur internet ou quoi. Non, en fait, elle m'a téléphoné. On s'est connecté sur un truc sur téléphone, c'était plus simple. On se voit et franchement je savais pas que c'était aussi compliqué pour monter son entreprise, toutes les démarches qu'il y a à faire, tous les renseignements qu'il faut faire avant, tous les trucs qu'il faut faire avant, ça il y en a beaucoup. Et mais bon, de toute façon, si je peux l'ouvrir l'année prochaine, c'est super. De toute façon, comme elle me dit, même de trouver un travail à mi-temps à côté, c'est une super bonne idée. Comme ça, ben j'ai quelque chose, quand, ben, si mon entreprise coule ou quoi que ce soit, j'ai quelque chose, il faut que je m'enseigne sur ce que je veux faire, comme il y en a quelques-uns des entreprises comme ça. C'est comment ils font, les prix, tout, c'est énorme, énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je trouve ça chouette. Ça va m'aider sur pas mal de choses. Mais j'ai beaucoup de questionnaires à remplir, j'ai beaucoup de documents à faire, à lire. Et voilà, on va faire tout ça. Là, on a re-rendez-vous lundi le 28, là, à la fin du mois, c'est cool. Mais bon, franchement, j'ai pas vu l'heure passer au téléphone et on a beaucoup discuté, elle m'a beaucoup conseillé. Bon, en gros, elle m'a tout dit d'un coup comment on allait faire. Et c'est une formation qui dure 3 mois. Et franchement, c'est cool, quoi. C'est super. Donc, on m'a conseillé aussi d'aller à la chambre des métiers, de m'enseigner pour monter, faire un site mail. Comment monter un site mail, comment monter tout. Et c'est top, top, top. Là, franchement, je suis contente. On a aussi le soleil qui vient de sortir. Il refait chaud. Hein. C'est horrible comme il fait chaud. Mais bon. Oh là, je suis trop contente de mon entretien. C'est très bien, mon rendez-vous s'est très bien passé. Et qu'on continue. Hein, c'est sur 3 mois, alors pas de soucis. Hein. On va continuer, voilà. Une de mes voisines, elle est juste là, et avec sa, avec la petite et la gueule. Bon, bref. Oh, voilà. Je vais étendre ma machine à laver parce qu'elle a fini. Il faut que je pue aussi du linge. À moi, gagner à moi. Mais ça, je crois que je le fais. Et voilà. À manger, Morgane, en ce moment, elle est repartie sur des pâtes. Je crois que je vais faire des pâtes aux lentilles de corail vu que j'en ai là. Je suis en train de les voir, que j'avais acheté au Biocop, si vous vous rappelez. Enfin bon. Ouais, ça aussi, il faut aussi que je trouve des partenariats. Il faut que je m'enseigne vu que je veux vendre des trucs locaux. S'il y en a par ici, vers chez moi, ou bon, je sais qu'il y en a à la limite de chez moi, mon département. Et tout. J'espère que ça peut le faire. Bon, bref, il faut que je m'enseigne sur pas mal de choses. Alors voilà, ouais,
Non, ouais, je suis en train de voir en fait mes pâtes. Je vais faire les pâtes aux lentilles de corail pour ma fille parce qu'elles sont super bonnes. J'ai des pâtes à l'ail. J'ai des pâtes à la spiruline aussi. Ouais, je vais faire des pâtes aux lentilles, lentilles de corail pour Morégane. Moi, je vais faire du taboulé. Et cet après-midi, je range chez moi. Je range ma maison comme il faut. Je fais tout comme il faut. Et voilà. Là, faut que j'essaye. Là, j'ai demandé à Pôle emploi qu'il me rappelle parce que ça me saoule. J'ai appelé une amie qui travaillait comme moi à la région. Quoi, là, oui, bah, au service public, là, elle est toujours, moi non. Vu que, comme là où j'étais, c'était service public, et bien, apparemment, c'est service public qui doit me payer. Voilà, 4 mois pour vous dire ça. Oui, non, parce qu'il faut savoir que je touche pas le Pôle emploi. Que dalle, pour le moment, je touche que le RSA. C'est tout. C'est cool. Là, je vais voir. Là, j'ai demandé à Pôle emploi parce que, comme elle m'a dit, non, moi, c'est Pôle emploi qui m'a payé, ni rien du tout. La dame que j'ai, elle me dit non, normalement, c'est un service qui donne les sous à Pôle emploi que Pôle emploi doit me verser. Pourquoi je les ai pas? Hein? Et tout. Là, ben, j'ai demandé à Pôle emploi qui me rappelle pour savoir où c'en est et pourquoi. Ben, je suis toujours pas payée, quoi. Pourquoi ils n'ont pas pris la relève que je suis toujours à ça, quoi. Parce que même le racin, comme ils me disent, vous avez droit à Pôle emploi, pourquoi vous êtes pas. Ah ben, je sais pas. Je suis pas payée, ils me payent pas. Il va savoir. On va voir ça. Ça, je m'en dis qu'ils me payent. Je vais vider mon lave-vaisselle parce qu'hier, je l'ai pas fait, je l'ai pas vidé. Du tout. Hier après-midi, j'ai fait quoi? Qui j'ai fait hier après? Ah oui, hier après-midi, j'étais au téléphone. Je sais pas si t'es sur le téléphone aussi. À droite et à gauche, à rappeler mes anciens patrons qui sont même pas au courant de ça et qui sont. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, écoutez. Moi, là, il est 10h20. Je vais commencer à faire un casserole tôt. Et ouais, je vais faire des lentilles de corail pour ma fille. Ça va changer un peu. Bon, on va croire que c'est des pâtes à sauce tomate, mais ce sera des pâtes aux lentilles de corail. Voilà. Pour ça. Bon, moi je vous dis à plus tard. Non. Bon, j'ai eu mon rendez-vous avec quoi? J'ai Pôle emploi qui m'a rappelé. Les conseils Pôle emploi, si ça vous dérange d'appeler, n'appelez pas. Envoyez un mail. Hein? Parce que je demande à la dame, j'ai une dame, pour savoir pourquoi je touche rien de Pôle emploi. Et il a commencé à monter sur ses grands chevaux parce que parce que vous êtes en fin de vos droits depuis le 10 janvier 2000, 2020. On est en 21. Elle me dit, ouais, mais quand même, vous n'avez pas droit vu que c'est un refus. On est en 21. On est le 18 juin 2021. Ça fait plus d'un an. Ah, mais quand elle veut pas comprendre et qu'elle sait qu'elle a tort, tain, mais vous êtes tous pareils ou quoi? L'autre fois, j'ai une conseillère, elle m'a dit non, non, mais c'est bon, votre dossier il est en train de traitement parce que bon, il faut que je voie le service public. Là, j'essaie de voir comment on peut faire pour le service public. Non, elle me dit non, non, vous avez ouvert vos droits. Vous êtes inscrite depuis le 10 janvier et février 2020. On est en 21, c'est quoi le problème? Ah, mais la nana, elle m'a saoulé que je l'ai raccroché au nez parce qu'elle voulait pas comprendre les choses. Hein, quand je lui dis que j'ai envoyé tous les papiers, que j'ai plusieurs personnes au téléphone qui m'ont dit qu'ils faisaient comme ça et comme ça. Ah non, 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 non. Elle pour elle, on est toujours en 2020 et non en 2021. Eh ben, dis donc. Sacré. Bon, j'ai encore refait quand même à demander qu'il fallait que je me réinscrive. Ça fait déjà la troisième fois que je me réinscris
en très peu de mois, hein, et que ça marque toujours que mon dossier est en traitement de cours. Voilà. Ah mon gros, tu t'en fous? Ouais, tu t'en fous. Ah, non, voilà, je vais éteindre ma machine à laver et il faut que je plie tout mon linge que j'ai foutu là sur le lit. Oh, l'eau, elle est en train de chauffer et ok, là. 10h53 et après, je vais aller chercher ma fille. Je vais mettre ma barrette parce que là, j'ai chaud parce qu'il fait beau là et... Ce matin, il faisait 19 degrés quand j'ai amené Morgane et là, il en fait 20 et quelques. Faut que le temps se calme, hein. Parce qu'on n'est pas habitué, hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Bon. Je vais dans ma machine, ramasser mon linge d'hier. Hein, mon gros bébé. Détendre, et voilà. Moi, j'ai un bouton là qui me fait mal. Mon monsieur râleur d'amour. Oui, que monsieur râleur, il a dormi entre Choupi et moi. Ouais. T'as permis à Choupinette de faire un gros dodo. Oui, il était... Choupi, elle a pris son oreiller, elle a mis là. Monsieur, il a son coussin. Et si Morgane a malheur de poser sa tête sur son coussin, monsieur, il débarque, ce qu'il a fait, hein, comme d'habitude. Chaque fois que j'ai Morgane dans le lit, il débarque. Et il s'était posé. Morgane, elle avait relevé son oreiller pour le mettre un peu plus haut. Alors, monsieur, il a reniflé Morgane, toute sa tête, tout son visage. Quand je lui faisais des câlins, il a arrêté de la renifler au bout d'un moment. Et après, il s'est calé au-dessus de sa tête à Morgane. Voilà. Il avait un moment, il avait posé sa tête, une de ses pattes sur sa tête, hein, parce qu'elle avait du mal à se rendormir. Et comme d'habitude, il fait ses ronrons et elle se rendort. Voilà. Quand je vous dis que j'ai un chat parfait, moi. Bon, il fait que râler, mais c'est un chat. C'est un amour, ce chat. Et après, bien sûr, on a eu Pikachu qui est arrivé, qui est au pied et qui prend toute la place. Oui, parce qu'il faut savoir que quand j'ai Morgane, qui vient dormir avec moi parce qu'elle a fait un cauchemar ou quoi, j'ai mes deux gros bébés qui débarquent aussi en même temps. C'est pour ça que vous ne dormez pas, parce que Morgane, vous avez toujours, là, j'ai toujours peur qu'elle tombe du lit ou quoi que ce soit, même si je la mets au milieu ou quoi, j'ai toujours peur qu'elle tombe du lit. Et j'ai les deux bébés qui sont à côté, qui surveillent aussi Morgane, parce que Morgane, hein, Morgane et Pikachu, tous les deux, hein, depuis que j'ai Pikachu, ils ont... C'est simple, Morgane, elle peut faire tout ce qu'elle veut avec Pikachu. Il va se frotter par terre, il va se coucher par terre pour avoir des câlins. Elle va lui faire. Ouais, il est par terre, je fais pour. Non, il se casse. Morgane et Pikachu, tous les deux, ils ont un lien, mais je peux pas vous dire comment c'est. C'est particulier, mais c'est depuis qu'on l'a. Pourtant, c'est moi qui le lave, c'est moi qui le brosse, c'est moi qui donne à bouffer, mais non. Il en a que pour Morgane. Et ce moment où je peux lui faire des câlins, c'est quand je suis sur le canapé. Que c'est lui qui a décidé que je peux faire des câlins ou sur le lit. Je fais non, mais sans deck, quoi. Ah, si, là, ce moment où je là, il est content de me voir, c'est quand je lui donne la patoune le matin. Hein, oui, c'est tout. Mais tous les deux, là, un Pikachu et Morgane, c'est affreux. Le lien qu'ils ont tous les deux, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Et Miss Irine, hein, c'est de toute façon, c'est fils à maman, là. Mais Morgane, quand ça va pas, il me le dit quand même. Mais bon, voilà, pas beaucoup dormi cet après-midi. S'il ne fait pas trop chaud, peut-être j'irai me promener au bord, à la forêt. De toute façon, vous verrez ou pas si je suis allée ou pas. Oh, bon, je vais attendre le linge, après je vais chercher mon bébé d'amour. Et voilà, et je suis en train de voir, peut-être que je vais faire un jeu concours pour les 5000 abonnés. Je veux voir. Pour faire un jeu concours, je vais peut-être je vais voir s'il y a des trucs qui sont intéressants à action ou pas. Et bon, par contre, le problème qu'il y a, c'est que j'ai vu que je t'ai suivi par beaucoup de femmes et très peu d'hommes, et que j'ai peur qu'il faut que je trouve aussi pour les hommes au cas où. Si je tombe sur un homme pour le jeu concours, enfin, le jeu concours, je vais faire un tirage au sort de mes abonnés pour les 5000, voire 2 abonnés, je vais voir. Pour mes 5000 abonnés, je peut-être j'achèterai des trucs à action.
Et je ferai des trucs, vous verrez. Vous verrez ça. Mais bon, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ça. Un jeu, un truc, un tirage au sort pour les 5000 abonnés, vu qu'on s'y approche. Hein, et pour vous remercier aussi, parce que grâce à vous, là, j'ai vu que tous les mois, ma cagnotte, elle monte, quoi, de YouTube, elle monte. Et ça, je vous remercie beaucoup. Et voilà, que vous êtes beaucoup, commencez beaucoup à me suivre. Alors, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-moi, parce que je vois que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, que vous n'êtes pas abonnés. Et voilà, et j'ai vu que j'avais beaucoup de femmes aussi qui sont abonnées. J'ai pas beaucoup de... J'en ai quelques-uns d'adolescents, mais j'en ai de plus de 60 ans qui me regardent. C'est cool, ça! Mais parce qu'on peut voir les âges. Bah, l'autre jour, je suis sur ma petite, je suis allée voir les trucs. Je suis trop contente. Alors voilà, si ça vous intéresse, dites-moi-le, faire un tirage au sort. Je pense que je ferai gagner pour 2 personnes. Alors voilà, si ça vous intéresse, dites-le-moi et on regarde ça. Voilà, bon allez, je vais aller tendre mon linge, je vais faire ce que j'ai à faire, et voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Bisous. Bon, je vais chercher mon courrier. Je vous montre les boucles d'oreilles que j'ai achetées. Celles-là. Elles sont trop belles. J'aime bien ce style comme ça, là, les longues, là. Même le croc, là, comme ça, j'aime bien. Oui, vous entendez la musique derrière. Parce que comme d'hab, quand je fais ménage, que je fais quelque chose, mais la musique. Ouais, c'est un peu en bois. Attendez. Ah, la première. C'est un petit peu en bois comme ça. C'est du bois, elles sont magnifiques. Celle-là, ça fait un peu vert rouillé. Et les autres, c'est des longues rondes. Elles sont trop belles. Donc, franchement, j'aime bien les boucles d'oreilles comme ça. C'est un peu rouillé. Et j'aime bien. Alors, voilà. Bon. J'ai chaud. Il est 11h15, je vais bientôt aller chercher mon bébé d'amour. Et voilà, bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bon. Oui, je te dis, attends. Voilà. Voilà. Monsieur Zeller, à côté, en face du ventilo, parce que c'est ventilo, vous attendez. Parce qu'il fait hyper chaud. Hein? Vas-y, maman, te lave, voilà. Ah non, parce que là, il fait vachement chaud. Dès que j'ai allumé le ventilo, il est arrivé, il est débarqué. Voilà comment il se met devant le ventilo qui est juste là devant. Cool. Bon, moi, c'est que je vais arrêter le vlog là parce que je n'irai pas sortir en forêt ou quoi que ce soit, parce que là j'ai à plier, à ranger. Là j'en ai un qui est monté sur mon buffet, qui m'a tombé des trucs, j'ai ramassé, mais bon voilà, j'ai plein de choses, je voudrais tout avancer pour demain, parce que demain Morrigan chez Marlène et que je voudrais être tranquille avec mon gros bébé. Voilà, moi, je voulais être tranquille ce week-end, parce que ce week-end je voudrais me faire des masques de beauté, je voudrais prendre soin de moi et tout. Alors par rapport à la vidéo de Max, de ma leaderbox, de toute façon vous le savez, il y a des fois, voilà, hein, je me plante quand je dis des trucs, je veux dire un truc et en fait je dis l'inverse, mais ça vous êtes habitués, c'est pas à peine de me répéter. Hein? Et moi j'appelle les trucs les pochons, ou quoi, non, j'appelle ça les pochoirs. Je vois pas pourquoi vous venez le dire. Oui, j'ai dû dire pochon, j'étais mal, j'étais. Voilà, hein. De toute façon, vous savez comment je suis. Pour tout. Et par contre, la gamme. De ma leaderbox, alors franchement, le jet de douche, alors là, la brosse nickel avec le jet de douche nickel, là vous n'avez pas mieux pour vous détendre, évidemment pas mieux. J'ai encore la crème pour me passer sur le corps, elle sent super bon, t'es chiant,
Elle sent super bon, la crème pour... chelou en plus. Pour passer sur le corps. Pour arriver à dormir, c'est super. Alors aussi, ce que moi j'en fais, c'est que si vous vous rappelez, dedans, vous avez un rond, un truc comme des diffuseurs. Je vaporise un peu dessus aussi. Et ça sent super bon. Mais t'es lourd. Voilà. Ça sent super bon et c'est super agréable. Et là, je l'ai recherché sur internet. Alors, vous pouvez avoir ce que j'ai eu, le jet douche, la crème, le vaporisateur et un autre truc pour 20 euros. J'ai vu sur leur site. Je crois que je vais me relaisser bosser. Oh purée, me relaisser tenter parce que franchement, je kiffe. Je kiffe, j'adore. J'adore énormément et ça sent super bon. Ça vous détend, vous êtes bien après, c'est super. Voilà ma boule de poil. Alors voilà, moi franchement, j'ai kiffé, j'adore. Alors, là, vous pouvez y aller. Oui, je voulais faire une petite vidéo derrière pour dire que c'était super, mais j'ai oublié de la faire et voilà. De toute façon, vous l'avez dans le vlog après. Bon, voilà, vous pouvez y aller, c'est super. Et j'ai pas eu de réaction ni quoi que ce soit. Et nickel. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je crois que je vais arrêter le vlog là pour cette semaine. Parce que là, je vais trier mon linge, je vais ranger un peu, comme ça je vous dis demain, je serai tranquille. Et je pourrai prendre soin de moi. Parce qu'il y a du taf. Voilà. Je vais prendre soin de moi après. Et voilà. Morgane est chez Marlène demain. Voilà. Bon, bah écoutez, mes petits amours, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très 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 bonne semaine. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tu dis au revoir mon bébé? Hein? Non. Là, tu dis plus rien. Allez. Allez, bisous.